Céline, venue. Avec plaisir, c'était très mystérieux, mais j'ai bien senti l'urgence. C'est une journée spéciale. Aujourd'hui, je règle mes comptes. Là, je vide le sac, hein. Je mets les pendules à l'heure. Ah oui? Oui, j'avais envie de le faire avec vous. Vous êtes quand même très spécial. Ah bon, vous trouvez? Bonjour. Ouais. Vous aviez rendez-vous? Non. Ah, dans ce cas, va falloir patienter un petit peu. C'est pour monsieur ou madame? Non, c'est pour personne. C'est pour une réclamation. Une réclamation? Oui. En 1991, je me suis fait massacrer les cheveux ici. Et je suis sorti sans rien dire. Eh ben, je veux dire aujourd'hui à quel point je suis furieux. 1991? Mais c'était pas moi, j'avais 6 ans. Ouais, ah oui. Eh ben, c'est comme ça. Ça tombe sur vous. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte des responsabilités que vous avez? Je crois qu'elle a compris. On y va. Mais c'était une coupe atroce. Je suis pas sorti de chez moi pendant 10 jours. Et j'ai rien dit comme un idiot. J'ai même laissé un pourboire parce que j'étais gêné. Ah, voilà, voilà. Eh ben, c'est dit. Voilà. Merci. Au revoir. Ça fait du bien, c'est vrai, hein. Ah oui, vous êtes complètement fou, en effet, hein. Non, non, mais non, vous avez une fausse image de moi, hein. En vrai, je suis pas du tout comme ça. Hein. Moi, je fais ça pour mon dos, là. Ça a l'air de marcher, hein. C'est... Ah, non. Je crois que j'ai une petite tension, là. Attendez, bougez pas. Incompétente!